Alors, bonjour à tous et toutes. Je vous ferai pas de cachette. Quand j'ai reçu l'invitation pour être la prochaine marraine du concours, j'ai d'abord été étonnée. Qu'on pense à moi, Marie-Lou, à Dessun, pour encourager la relève en écriture, c'est flatteur. Mais évidemment, j'ai accepté. On m'a ensuite demandé de trouver un thème qui inspirerait les jeunes écrivains en herbe, et j'ai pas cherché bien longtemps. Une de mes séries jeunesse est écrite sous la forme d'un journal intime. Pour ceux qui la connaissent, il s'agit du journal de Dylan, dont le tome 13 doit d'ailleurs paraître très bientôt. 13 tomes. C'est la preuve que ce thème est inspirant, non? Parce que voilà, le thème que j'ai choisi est le suivant, un journal intime inventé, évidemment. Autrement dit, les jeunes auront à écrire un faux journal en utilisant les codes bien particuliers à ce style littéraire. Une écriture au jeu, l'ajout des dates, des heures. Ainsi, ils devront inventer une histoire sans déroger à ce style et devenir eux-mêmes des diaristes. C'est ainsi qu'on nomme celui ou celle qui écrit sous cette forme. L'imagination de notre relève est sans limite. C'est pourquoi j'ai bon espoir que de futurs auteurs émergent de ce concours. Pour terminer, j'invite tous ceux et celles qui se sentent inspirés par ce nouveau thème à prendre la plume et à créer. Bonne chance à tous et toutes, et surtout bonne écriture!